Eh bien, pour notre rendez-vous scolaire, on va aller retrouver M. Christopher Séguin et aussi son interprète Karine Bénard, parce que M. Séguin est un enseignant, mais il est sourd, donc il a besoin d'une interprète pour interpréter ses réponses. Donc, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et puis, c'est la Semaine internationale des personnes sourdes. Et on dit que c'est l'occasion de promouvoir la culture et l'identité linguistique de la communauté sourde. Mais ma première question, M. Séguin, c'est qu'est-ce que la culture sourde et comment ça accompagne les élèves dans leur construction identitaire? Oui, alors, bon matin, tout d'abord. Pour votre question, effectivement, c'est très important l'impact de cette Semaine internationale des personnes sourdes. La culture sourde est célébrée partout dans le monde, donc c'est vraiment des valeurs communes. Alors, comme l'identité, vous disiez, la langue, la transmission, les mains, les yeux. Alors, partout dans le monde, on célèbre les différentes valeurs, les revendications. Certains vont faire des revendications, d'autres vont faire la promotion par des vidéos sur Internet ou quoi que ce soit pour sensibiliser les gens un peu partout à savoir comment les personnes sourdes vivent leur vie, c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs défis, etc. Et puis ici, à l'école provinciale, c'est le bon moment pour nous. Cette année, justement, on a monté un nouveau programme qui s'appelle le PPLI, donc le Programme pédagogique de langue et identité. Et puis le but premier, effectivement, c'est de valoriser la langue des signes pour les enfants sourds et malentendants, comme c'est leur première langue, en fait, pour soutenir leur première langue pour qu'ils puissent s'exprimer et communiquer adéquatement. Mmh. Et comment on l'enseigne, cette fameuse culture sourde-là? Oui, alors, c'est pas tant un enseignement qu'une modélisation. On va montrer, on va faire des comparaisons dans la vie de tous les jours, une personne entendante, comment fonctionne, une personne sourde, comment fonctionne. Donc, on va faire des comparaisons, on va voir c'est quoi les adaptations, on va voir qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qui est différent. Donc, on va faire beaucoup d'expositions, de modélisations, d'explications, on va faire d'accompagnement aussi dans des situations concrètes de la vie quotidienne, où est-ce qu'on rencontre des barrières, où on doit, comment ils doivent être conscients pour pouvoir s'adapter aux différentes situations qui se présentent. Mm-hmm. Aussi, il y a des situations qui se présentent dans la classe, dans la salle de classe. Les élèves réalisent, ça leur fait réfléchir à la situation. Donc, on va y aller en parallèle dans le monde entendant avec la langue française, dans la culture sourde avec la langue des signes. On va faire des comparaisons des deux situations. Et justement, comment est-ce que la langue des signes québécoise, la fameuse LSQ, vient s'intégrer dans la construction identitaire des élèves de l'école provinciale au consortium? En fait, il y a plusieurs façons ici au CCJL. On a différents modèles, on a plusieurs modèles adultes, donc on leur montre, on est des personnes sourdes. Parfois, les jeunes ne sont pas sûrs de leur identité, alors on les supporte, on les conseille. Et de plus, ici, à l'école, la langue première, c'est la langue des signes, la LSQ. Donc, dans la salle de classe, c'est signé. Donc, ils reçoivent le message. En fait, on s'adapte aussi à chaque jeune parce que certains jeunes arrivent, apprennent la langue des signes, d'autres sont très fluides. Donc, l'enseignant est responsable de s'ajuster à chaque élève pour s'assurer que tout le monde ait un accès équivalent. Puis aussi, à chaque semaine, il y a un certain nombre d'heures que les jeunes viennent dans la classe PPSI. Donc, il y a une enseignante qui est responsable du français entendante, Mme Caroline, et avec moi, qui est une personne sourde et qui communique en LSQ. En parallèle, on travaille ensemble. Puis, on va avoir des conversations, moi et elle, pour montrer aux élèves que c'est comme ça, la vie, qu'on peut communiquer, on peut faire des comparaisons, on peut dire « Ah, ben OK, Caroline, c'est comme ça qu'elle communique, moi, c'est comme ça, OK. Les personnes entendantes fonctionnent comme ci, comme ça, les personnes sourdes comme ci, comme ça. » Donc, les élèves voient ça, ils deviennent conscients. Donc, c'est vraiment, depuis très longtemps, ils n'avaient pas eu ce type de modèle-là. Donc, moi, j'enseignais autrefois dans une classe LSQ seulement, j'étais le seul enseignant. Et puis, dans l'autre classe, c'était en français, mais ils n'avaient pas la comparaison vraiment dans une même classe d'avoir une personne entendante, une personne sourde dans la même classe, communiquer ensemble
et on voit qu'ils deviennent conscients des différences. Et puis, autrefois, ils disaient, ben, il fallait comme qu'ils choisissent ce qu'ils préféraient. Là, il est tout le français, mais c'est pas, il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Alors, souvent, on va dire, en fait, dans les langues orales, on peut pas dire est-ce qu'on préfère c'est mieux le français ou l'anglais, mais non, c'est deux langues autant valables selon notre culture. Alors ici, c'est autrefois, il y avait comme une comparaison, une langue meilleure que l'autre, et puis maintenant, on essaie de détruire cette croyance-là, et puis c'est un choix individuel selon l'élève. Et est-ce qu'on doit adapter la langue, parce que bon, on parle la langue des signes québécoise, mais est-ce qu'on doit l'adapter à une autre réalité des jeunes qui viennent et qui n'ont peut-être pas les mêmes mots ou ont besoin de d'autres mots ensuite pour être capable de communiquer? Ben, en fait, c'est comme, disons, une personne qui commence à apprendre une langue. Peu importe la langue, ça se passe de la même façon. Donc, si l'élève arrive, ne connaît pas la langue des signes ou on lui enseigne la base de la langue. Donc, c'est beaucoup d'exposition, on signe, on communique avec le jeune. Alors, on essaie de l'amener dans des situations concrètes qui doivent s'exprimer. On fait beaucoup de modélisation. C'est comme une personne qui arriverait et devait apprendre une autre langue orale. Donc, il faut qu'il y ait une immersion pour qu'il puisse apprendre la langue. OK, d'accord. Et qu'est-ce que vous, justement, en cette semaine-là, international des personnes sourdes, qu'est-ce que vous voulez que le message que ça envoie, quel message souhaitez-vous qu'on en retienne? Je dirais en fait que les personnes sourdes qui ont une langue des signes, c'est une langue très importante pour eux, ça leur permet l'accessibilité. Alors, à tous les gens qui voudraient apprendre une nouvelle langue, je leur dirais d'aller apprendre la langue des signes. C'est une excellente langue à apprendre. Puis après, l'accessibilité sera plus facile pour la communication et l'égalité. Eh bien, voilà, quel beau message. Merci beaucoup, M. Christopher Séguin, enseignant au consortium Centre Jules Léger et l'interprète Karine Bénard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Plaisir. Bon matin.